tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui c'est Noël, donc déjà joyeux Noël à tous et j'espère que vous avez reçu pas mal de trucs cool. Est-ce que vous avez commandé? Donc moi c'est le cas, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai eu. Donc déjà j'ai eu pas mal de cadeaux de mes petites soeurs et tout ça, donc j'ai eu des sachets de mini figurines. Donc j'ai eu 7 figurines, donc Garmadon comme ça. Ensuite j'ai eu, je sais plus comment elle s'appelle, et aussi de la série Ninjago, et je l'ai pas, donc elle est vraiment hyper classe. Voilà, et une autre figurine de la série Batman Movie, elle aussi, que je n'ai pas, donc ça je suis vraiment content. Elles sont vraiment hyper classe, et du coup je les ajouterai dans la ville. Donc après, moi j'ai eu des bonbons. Alors, là d'abord je commence par tout ce qui est Lego, et après je vous montrerai le reste. J'ai reçu ce polybag Lego City. Voilà, mais ça c'était avec un autre truc que je vous montrerai après. C'était dans la même boîte qu'un autre truc. Ensuite, nous avons cette super briquette de Dark Vador. Voilà, donc la numéro 55. Elle est vraiment super cool. Donc ça, je suis hyper content de l'avoir reçu. Ensuite, donc là ça devient intéressant. C'est les premiers, si on veut. Bon, j'ai déjà eu le château de Vador, mais les premiers, si on veut, cette Marvel 2018-2019. Et j'aurai aussi bientôt le set Captain Marvel et le Corner Garage, c'est un peu aussi pour Noël. Donc ça, il y aura un deuxième haul dès que je pourrai les commander. Donc là, la première, donc on commence par la plus petite boîte de la série. C'est les nouveaux sets Spider-Man. Donc voilà, c'est le Spider-Man Bike Rescue. Donc là, j'ai vraiment trop hâte de vous faire les reviews de ces sets, ils sont splendides. Le nouveau box art est vraiment phénoménal. Donc là, voilà. Avec Spider-Man, Carnage, Miles Morales. Bon, je vous mets ça un peu sur le côté, parce que ça devient pas mal chargé. Ensuite, la deuxième boîte de la série de Spider-Man. Elle est vraiment trop belle aussi. Spider-Man, Spider-Crawler. Donc ça, je vous avais montré le product animation de cette boîte. Et là, je vous ferai la review Speed Build AFR. Elle est vraiment aussi magnifique. Hyper content de l'avoir. Donc après, bien sûr, je ne compte pas les 7 juniors, parce que j'en ai acheté aucun de la série junior et je trouve pas terrible, donc c'est eux les originaux, cette Marvel de Spider-Man. Et donc la dernière et la plus grosse, qui est aussi splendide, c'est Venom, enfin Spider-Mech versus Venom. Elle est vraiment splendide, donc là vous avez les trois. Donc je sais pas comment je vais m'organiser pour tout mettre. Donc là j'ai toute la série Spider-Man, donc ça fait hyper plaisir. Voilà. Donc ça c'est hyper cool. Donc ça c'est ce que j'ai eu en Lego, plus l'autre haul qui devra arriver une fois que je pourrai commander. Ensuite, vous avez ça qui est vraiment hyper cool et qui fait un peu la suite de Spider-Man. Donc une casquette Spider-Man. Le logo il est vraiment splendide et là il y a marqué Spider-Man et Marvel derrière. Donc ça c'est vraiment hyper cool, je la mets juste ici. Donc là j'ai fait tout un coin. Voilà, ça c'est super cool. Bon, il y a les bonbons, je trouve. Ensuite, j'ai eu ça. On va continuer sur notre lancée Marvel. Une figurine Marvel Legends de Infinity War. Et vu que c'est mon favori, j'ai pris lui. C'est Captain America, voilà. Après, ça me fait hésiter à acheter peut-être les autres pour construire Thanos, comme là j'ai la tête. En tout cas, il est vraiment très beau. Et j'ai hâte de l'avoir en main pour l'exposer ensuite. Enfin, franchement il est hyper beau, donc ça aussi c'est hyper cool. Je le mets là. Donc là il faudrait que je fasse plus de place en fait, parce que ça devient le bordel. En fait c'est là dedans que j'ai eu ce polybag avec. Donc ça c'est le pull que si vous êtes fan de Lego vous allez tous adorer. En fait c'est un pull, je sais pas comment faire pour montrer, c'est que je l'ai bien plié et je suis nul pour plier. Donc c'est Never Stop Playing Lego. Et c'est un pull, il est vraiment hyper confortable, il est super beau. Et ça vient de je sais plus quel magasin, mais pas du Lego Store. Enfin ça c'est hyper cool, donc ça fait un truc Lego en plus. Voilà, ça c'est super bien. Après, vous avez ce t-shirt Lewis. Voilà, donc ça aussi, j'aime trop les habits de marque, donc voilà. Et ensuite, bon ça aussi je déballe pas, hein. De toute façon c'est pas une chaîne d'habits. Là, un autre beau gros pull,
Teddy Smith. Il est vraiment super beau. Donc bon, je sais pas comment mettre, je vais mettre comme ça. Là c'est chargé, puis là bon, il y a tous les sachets des figurines, la boîte. Donc là je vous remontre d'ensemble, donc le pull, le t-shirt, le pull comme ça, la casquette, les bonbons. Le premier, enfin le set Spider-Man, Spider-Crawler, Captain America, les mini-figurines, le polybag, la briquette de Vadom, le Spider-Man Back Rescue, le gros set Spider-Man. Et donc après il faudrait imaginer le camp dans le garage et le set Captain Marvel. Et là ce serait totalement complet. Donc voilà, je suis super content. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tous mes cadeaux plus les deux autres. Dites-moi en commentaire ce que vous avez eu, si vous avez des Lego, enfin ou comme moi des habits, d'autres trucs. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez en commentaire de mes cadeaux. Passez encore de très bonnes fêtes. Abonnez-vous, likez et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut.